su mobiliser, la gauche rassemblée arrive largement en tête. C'était l'objectif que nous sommes fixés, il est atteint. Des gros scores dans les principales villes du Tarn aussi, avec un 50% à Albi, un 39% à Castres. Oui, tout à fait. Hein. Dans l'ensemble des villes tarnaises, notre liste arrive souvent très largement en tête. Donc la preuve que les électeurs ont entendu le projet régional que portait Carole Delga, hein, d'une région forte, d'une région créative, d'une région solidaire, en opposition avec les autres projets qui étaient présentés, ceux de la droite et de l'extrême droite. Nous avons fait l'union avec la liste de M. Onesta parce qu'une majorité de points nous rassemblait. Et c'est réellement le cas. Bien entendu, nous avons des divergences. Et sur ces divergences, nous avons été très clairs, et Carole Delga a été très claire. Nous conservons nos positions. Donc Carole Delga, durant la campagne, s'est prononcée en faveur de la concession autoroutière entre Castres et Toulouse, en faveur du financement de l'aéroport Castres-Mazamé, ou encore en faveur des travaux de réflexion sur les retenues d'eau et sur l'irrigation indispensable pour nos territoires. Donc nous maintenons tout à fait cette position et nous espérons que l'intérêt général primera.